Je capoque sur le capote. Je capote sur le capoque. Tree. Un arbre magnifique, incroyable et très joli. Il fait faillite un jour, il a juste ramassé ses billets. Carnival. Faut avoir un scooter. Pour la journée complète, 35 $ ou une bicyclette, 10 $ pour la journée complète. C'est très, très populaire ici. Les petites voiturettes et les scooters. Très populaires. On dit qu'ici est née la compagnie Pan American World Airways. Le 28 octobre 1927. Aujourd'hui, c'est une taverne qui s'appelle First Flight Island Restaurant Brewery. Oui. Voici la petite Maison Blanche. Donc, c'était un président américain, Harry S. Truman. Et on appelait ça la petite Maison Blanche parce que c'était sa maison de repos. On peut dire que c'est le petit Washington, hein? Le paradis du cigare. $15 le cigare. Paradis des fumeurs de cigares. Je dis que les ventilateurs sont allés ici sur la rue du Val. Duval Street. Faut pas venir avec votre motorisé ici, donc on a bien fait d'ailleurs de
d'utiliser le transport en commun. Le transport en commun, ça va très bien. Donc, ça part de tous les terrains de camping à peu près. Puis ça vous amène ici à Key West. Key West, c'est pas nécessairement une très, très grosse ville. C'est assez business, très, très touriste. Mais c'est pas une grosse ville. Il n'y a pas de building. Donc, ça se fait quand même assez bien à pied. Puis on a été tenté de louer des petits véhicules. Ça va être tentant, 129 $ par jour. Mais même avec votre 129 $, vous devez payer les stationnements par la suite. Alors nous, on a tout fait à pied. Puis c'est bien correct comme ça. Une bonne journée de marche. Ça fait pas de tort. On a bien mérité un petit smoothie. Alors, on fait un arrêt ici à Gladiator's Ice Cream. On a bien mérité. La spécialité aussi, c'est les Key Lime Pies. Ah, je pense qu'on a bien mérité un petit break. On a arrêté dans une boutique là-bas. C'est bon, hein? Un petit smoothies aux ananas. Très rafraîchissant. Honnêtement, c'est très, très humide. On est arrêté sur le bord du quai. Les pieds pendants au bout du quai. Alors là, on va aller visiter le Key West Butterfly and Nature Conservatory. 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 Let's check it out. 1,500 butterflies in here. Mm-hmm. There is a bunch of them flying around, flying on you, landing on you. We have a bunch of different species of tropical birds in there. We have some finches, some quails. Mon Dieu, c'est le paradis! Wow! Ah, wow! Ah, c'est bien cute, ça! Eh bien, c'est un petit moment magique quand même. En ouvrant la porte ici, on est bombardé par les papillons. Tellement de sortes de papillons.
Wow. There you go, sir. Bon. Thank you. You're welcome. Thank you. Ben, j'ai un papillon à cette heure sur moi. Non, c'est pas vrai. Bon. Je pensais que c'était peut-être une trappe à touristes, mais finalement, non. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est magique. Donc, pour 17$ et quelques à peu près. Moi, j'ai été émerveillé. Et être émerveillé, ça n'a pas de prix. Maintenant, destination, bateau, croisière, catamaran, etc. Donc, avec coucher de soleil. Si jamais je manque d'argent, ben, je sais où aller. D'embarquer dans le bateau souper. Alors. All right, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Thank you.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce et voilà! Et abonnez-vous surtout, c'est très important. C'est le papillon qui vous le dit.